Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, soit des vagues, soit Mais du juste. farm. Fais les deux. Si tu veux. Parce que les vagues, de toute façon, faut attendre une demi-heure entre chaque vague. Et après, bon, le farm, on a pas mal de ressources, de plein de trucs. Alors, moi, je suis plutôt pour aller faire un tour dans la grosse base au sud de chez nous. Je suis prêt, hein, let's go. Hein, t'as dit quoi? Je suis prêt, let's go. Je bouge les trucs, j'arrive. Suis parti vider. Ah putain, c'est vrai qu'ils avaient détruit les trucs. Oh. J'ai oublié ce détail. J'avais pas réparé. Putain. Bah let's go hein. Ah, mais j'avais oublié ce détail qu'il y a un énorme trou béant dans la tour. Toi le trou. Toi qui es béant. Merde. FP. Ah. Ah. Vous fucking ready. I am fucking ready. I go to the tower. The Eiffel Tower. Où est-ce que je la mets cette merde? Tu veux vraiment que je te le dise? Oui. Eh ben dans ton cul. Tiens, t'auras un petit lit. Oui, c'est aventure, pipe et jambes de bois. Il n'y a pas d'endroit où le poser. Voilà, j'ai rajouté deux lits médicales. Ready? Go, let's go to Or not? Rumble. Quoi? J'ai dit ready or not? Ah, ça a l'air d'être un bon jeu.
Ah. Ouais, bah je suis dessus. Hein. Le commando. J'ai des piafs sur la gueule aussi. Il y a 3 canonniers, putain. Oh la vache. Il y a trop de distance. C'est bon, il est mort le commando. Oh, je vois rien. Ouais. Voilà, voyons. Il y en a un qui est hyper loin, mais... Ouais, mais il est en train de tirer contre la structure, c'est débile. Donc je peux même pas le toucher, il est caché derrière. Ouais, je vais aller le chercher. Je vais peut-être en crever, mais je vais aller le chercher. Ah, attends, il y en a un qui court déjà. Il a de ma vie d'abord. Ok, lui en main. S'il s'excite sur le payload, quoi. Ah, si, j'ai sa jambe. Attends, je vais faire le tour pour l'avoir. Et putain, mais. Qui me bloque? Parlez-vous. Ah ah ah, bonjour. Aïe! Comment on donne mes couilles? Putain, j'arrive à peine à le toucher, hein. Il est dedans. Hein. Ah, moi j'avais arrivé à avoir sa jambe gauche. Ouais, droite, j'ai eu pardon. Son bras gauche. Beaucoup de tirs. Hein. Ouais, au départ, il y a eu au moins 4 canonniers là, ça a dû faire mal aux structures. Hein, ce qu'ils... Oh putain. Oh, oui. F. On lui a expliqué comment on s'appelait. Ah, puis là, c'était pour ma gueule. Hein. C'était pas... Ouais, je sais pas pourquoi il m'a pas vu. J'ai 3 bornes, mais. Un piaf. Ah, tu vois. Les tireurs noirs, ça va en vrai. Ouais, il meurt vite et... Oh, 2 canonniers. Ah. Aïe. Fait le fou. C'est bon. Ah, il y a un sauteur sur moi. T'es où? Je vais essayer de le faire. Le faire tomber. Ah, bah, il est pas tombé. Il est mort. Ah, mais j'ai plus personne pour me tuer maintenant. Ah, oui, pour me relever aussi, c'est bien. Ouais, tu peux me relever aussi. Hop. Il y a des tireurs. Je rompiche. Ok. Oh, bonjour. J'ai peur, c'est con. J'ai loupé. Aïe.
178 de vie. Va dormir en haut, il y a un petit lit pour toi. J'y suis. Il y a un mec qui me tire dessus quand je suis dans le lit, quoi. Je reçois du gaz. Ah oui. J'ai pris du gaz de je sais pas d'où. Ah, d'en haut. Okay. Ok. Et le relou, Aina. Bonjour monsieur. On a un sauteur au-dessus. Je l'ai tué au pompe. Il y a un pief. Non, c'est bon. Ok, t'es coincé. Faut que les gérer les invisibles, ça fait. Je les ai pas fait depuis le début. Je sais pas s'il y en a. Oh, si, si, il y en a. Je les ai vus ce. Ah. Ah. J'arrive. Ah. Je suis en train. Chouchou. Ah oui, il y en a un qui vient de pop. J'ai mis une balle à la visible. Ah, ah non, pas tombé par contre. Ah, il y en a un qui fait le tour là. Il devrait t'arriver dessus. Il y en a deux qui t'arrivent dessus là. Où ils sont? Ah. Bonjour. J'aurais usé quasiment 200 balles. Hein. Enfin non, 150. Ah non, j'attends, j'en avais 180, donc là j'en ai 50, 130 balles pour l'instant. C'est toujours beaucoup moins que les défenses. Hein. Oui. Mais... Il n'y a même pas à débattre. Ce que j'aimerais bien, c'est le dernier sniper, là. Patron légendaire, là. Bah rien qu'un patron en vrai, même un violet serait déjà sûrement génial. Quoi. Patron exotique là. Ah ça serait banger. Bon, 24 et demi, je vais chase les invisibles. Ouais, je vais descendre en pompe. Didi, 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 didi.
Puis la suite. Je sais pas si les mobs ils continuent de monter en level, j'ai pas fait gaffe. Je t'avoue que 90 c'était le dernier level que j'ai regardé. Ouais, je me sens pas avoir vu au-dessus. Hein. Bon, ça fait quelques vagues qu'on fait. Peut-être, ça y est, ils ont peut-être atteint le level max et du coup ils font paraître que de nouveaux mobs. Que des nouveaux mobs. En plus grosse quantité. Alors plus grosse, oui, des derniers mobs, oui. Mais bon, ça veut dire que plus il y a de mobs. Tireur, moins il y a de mobs normaux. Donc, c'est-à-dire que les défenses en elles-mêmes, les mobs normaux ne passeront jamais, ils ne passent déjà pas. Oui, mais par contre, c'est juste que les premières structures qui sont devant, c'est la limite où il va falloir mettre de l'exotique. C'est vrai. Alors, il y a quoi? Il y a fort. Sticky grenade exotique, style fondation exotique, titanium wall légendaire. Bon, bah de la merde quoi. C'est vrai que sans parler d'exotique, déjà mettre du titane doit être encore plus résistant. Et puis augmenter le niveau de Space Beacon là. Bon, et ouais, bah de la merde. Hein. 55, non, faut attendre 56 pour connaître le nouvel ennemi. 250, 260 le lingot de métal. Lingot d'acier, pardon. J'ai un gros, oui. On a eu 260 lingots d'acier. D'accord. Oh, tout est plein. Pourquoi tu te plains? Parce que tout est plein. C'est bien si tout est plein. Bah ouais, mais j'en fais quoi des ressources? Tu les mets dans ton cul. Je passe sa loge. Laisse-moi essayer. Ah oui. le cuir Osef. Ça, Osef, ça on va le transformer, ça va dégager. Tout
Tout est plein, faut crafter, c'est tout. Et balancer ailleurs des ressources de merde, genre le cuir. Et le caoutchouc, on commence à en avoir des millions. Combien ? Des milliards. Voilà, c'est ok pour moi. Ok. Bon, bah si on veut partir à l'exploration de son cartouche de pompe. Récupérer des balles. Ok. De l'eau. De la bouffe qui donne de l'eau plutôt. Je vais réparer mon hélico. Ça fait un moment que il me dit pitié. Un carbone x 3, 6 composants, 6 mis. Mon arme est à un tiers. Je sais pas si ça vaut le coup de la réparer maintenant. Si on va faire une base, je pense pas quand même. C'est vrai qu'il suce vite ce petit Ronin. Hein. Ah, il suce. Il suce vite. Hein. Hélice, moteur, feuille de tungstène plomb. Tu penses qu'on y va avec un char ou on y va comme ça à la base du sud? Et par tous les chemins. Non, mais on va sortir l'artillerie lourde. Hein. C'est bon, on se fait diplôme qu'on fait rien de d'entre guillemets intéressant. Attends, j'ai fait quoi? J'ai fait les trois hélices. Il faut que je fasse trois pièces comme ça. Il me faut de la fibre synthétique. Ah mais mon hélico va mettre diplôme à se réparer. Ah bon? 5 puces, 20 plaques de titane. Bah, prends le temps de réparer ton arme. Prévois le double de ressources pour réparer ton arme, parce qu'il y a aussi la mienne à faire. Elle est aussi à un tiers environ? Ouais. Au 18 minutes pour réparer l'hélico. Donc voilà, là on a 20 minutes pour se préparer, puis ensuite on refait une vague et ensuite on y va. Are you okay avec ça? Il n'y a plus de composants avancés dans les stocks? Ils sont dans les forges. Dans les ateliers de forge. Tu prendras quel véhicule? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Ben. Choisis. J'ai envie de dire.
Il serait plus efficace si on prend un anti-char ou un anti... un anti-infanterie. Parce que si c'est un anti-char, c'est le RS. Si c'est un anti-infanterie, c'est le... En fait, l'infanterie, c'est ce qui va vraiment nous poser problème. Genre, des déboîtes, l'infanterie. Non ? Sûrement. C'est les chars qui vont nous poser problème. Et après, techniquement, le RS est capable de faire les deux. Anti-infanterie et anti-char, j'imagine. Sûrement un petit peu, oui, il a une batteuse. Tu peux passer en batteuse. Normalement, t'as de quoi réparer. Machin. Yes, c'est bon. Mais il faut faire les munitions du char, je crois pas que j'en ai fait. Medium AP, c'est quoi que t'as? Les larges HEAMO, peut-être, non? Il y en a 4. Grosse munition HE. C'est des roquettes, non, je sais pas. Je pense qu'il faudrait des gros obus AP. Des munitions AP moyennes, tu pourras aller en récupérer dans les tourelles. Bah là, il y en a 400 déjà, mais... Mais le RS, il faut être deux pour le conduire. Pourquoi ? Il y a deux postes. Et comment ça, faut être deux pour le conduire ? Non, ou alors faut switch entre chaque, mais... Oui. C'est quand tu ouvres l'armoire, la porte elle traverse le mur. D'ailleurs, c'est pas logique. L'armoire elle s'ouvre pas vers l'extérieur, je devrais pas l'avoir. Si, celle-là. Ah oui. Celle-là, c'est quand tu ouvres celle-là que je la vois. Coucou. Ah, j'aurais dû me faire un café. Trop tard. Ouais, 140 munitions sont suffisantes. Attends, il suffit de regarder ce qu'il veut, le RS. Du coup, on prendrait le RS et le... Et le Wild Wolf. Non. Non. Prendrait quoi? Arès et hélicoptère? Oui. Parce que sur l'hélicoptère, je peux équiper des trucs anti... anti-char aussi, je crois. Ah, attends, fais voir le Arès. Je me souviens plus. Dans l'idée, en fait, j'imagine que tu prendras l'agro avec le Arès qui est tanky. Et moi, je tenterai de mettre des prunes des airs. Et si ça marche pas, bah, je viendrai avec toi dans le temps. Voilà. C'est des larges HE AMO qu'il utilise dans le canon. Mais les gros obus AP, de toute façon. Ah, c'est les mêmes, mais en AP que tu parles. Je sais pas. Et là, moi, c'est HE. Large HE à mot. T'as que ça? Et l'autre, c'est Small AP à mot. La petite mitrailleuse. C'est comme je t'ai dit, je crois que les autres mitrailleuses, faut être plusieurs pour les piloter. Je peux pas piloter les autres. Tu peux pas utiliser des grosses munitions AP. Attends, je vais essayer d'aller dans le Ride Gunner. Ah, Small AP, l'autre. Grosse munition AP en tungstène, tu peux utiliser. T'as trois types d'obus. Ah, par contre, il y a bien des batteuses que j'utilise pas en étant tout seul. Les deux qui sont sur le dessus, je les utilise pas. Je t'ai dit, tu switcheras. En fait, avec le gros canon, tu détruiras les tanks et avec les mitrailleuses, tu détruis les.
Tu switches sur la mitrailleuse secondaire pour tuer les infanteries. Oui, non, mais je veux dire, en restant dedans, je sais pas. J'ai un icône de batteuse, mais il a pas cette gueule que celle que la gueule de celle que j'ai sur le dessus. Donc, je pense pas que ce soit celle-là que je active. Doit une autre. Je sais pas. On verra. Bah, je sais pas, essaie de tirer avec. Mais j'ai pas de balles. Pourquoi t'es pas allé en chercher? Parce que j'étais en train de déjà tester. On est dans le vide, vide. Ah, tu peux pas utiliser les munitions AP moyenne, donc tu utilises que les petites alors. Peut-être pas sur les autres non plus. Ah, c'est vraiment un pour l'infanterie, c'est vraiment pas fou, fou quoi. Petit calibre, c'est fait pour. Oh, c'est genre. Ouais. Calibre, c'est fait pour tuer l'infanterie, non? Oui, mais c'est petit, c'est pas beaucoup de dégâts quoi. Mais c'est fait pour tuer l'infanterie. Non, pas la lourde. Fait... Hein? Pas l'infanterie lourde. Bah si. Alors, voyons voir. Oh, que c'est long à recharger! Oh, sa mère! Ok. Ah oui, 250 balles. Non, c'est bien ça. Les deux que je l'ai sur le dessus, je les utilise pas. Ouais. C'est, j'en ai une autre, c'est celle-là. Celle qui a côté. Bah c'est bon, bah t'as pas besoin de. T'as besoin de personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es en mode anti-infanterie, tu peux être beaucoup plus efficace en. Là, toi, t'as celle-là, celle que tu viens de prendre là. Et t'as celle de gauche encore. Celle-là, toi, t'es caché par contre. L'autre, il est pas caché sur l'autre. Et celle-là, t'es caché. Après, rien ne t'empêche de changer d'emplacement. Hein. Tu peux toutes les utiliser. Hein. Du coup, t'as pas besoin de recharger. Elle est déjà rechargée, celle-là, à droite. Je viens de la recharger, techniquement. Si t'as plus de mun et que tu veux absolument tuer quelqu'un, faut faire des petites alors aussi. Oh, le viseur de celui-là est bien mieux par contre. Oh, celle-là, elle est faite pour de la précision. Ok. Ouais, des larges HEAMO pour le canon, c'est ça qu'il me faut. Il y en avait 4, je les ai prises. Voilà, j'ai rebougé le truc de véhicule. Je vais les craft en bas. Hop, 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 hop. Ok. Et ensuite, petit calibre, cuivre, plomb, poudre. Cuivre, plomb, poudre. Voilà, t'auras des munes. Et moi, il me semble que j'ai des munes d'hélico. Ok.
9 minutes. Bonjour. L'abîme pas. Pif. L'abîme pas, on va en avoir besoin. Il est caché. Ouais. Donc si l'hélico ne fonctionne pas, lance-missile, infiltrateur. Mais du coup, t'as mis des grosses mines ou pas? Enfin, t'as refait des grosses mines ou il faut que je les fasse? En cours. Ah, ok. Donc, j'ai 33 lance-missiles, enfin missiles anti-char. Mmh. Bah, des anti-aériens, est-ce qu'on... Enfin, faudrait un lance-roquette anti-aérien, quoi. Hein? Et en anti-aérien, on a que les lance-roquettes. Qu'est-ce qu'on aura d'aérien? Bah, les dirigeables, non? Il n'y a pas un dirigeable qui passe? Après, je pense que si je balance une bonne grosse roquette dans la gueule, il va le sentir passer, hein, mais... Quoi, mes trucs anti-sol air? Impossible, les cibles mettraient le blindage du véhicule lors de l'impact. Sinon, on aurait quoi contre les dirigeables? Bah là, on a le mission dernier... sol-air, petit missile anti-aérien très maniable pour télimiter et sensible aux interférences. Bah on a le dernier lance-roquette, mais en bleu. Et après, sinon, on a un des premiers lance-roquettes, mais en violet. Attends, on a le dernier lance-roquette en bleu? Bah, il me semble que c'est le dernier, non? En bas. Le bout de piqueur. Non. Non, c'est pas le dernier, ça? Non, il existe pas, celui-là. Attends. Weapon. Si. Mais c'est pas le dernier. Non, le dernier, celui que t'as dans les mains, l'infiltrateur. Ah, c'est l'anti-aérien, effectivement. Donc, bah, j'ai l'infiltrateur pour les tanks, mais on en a qu'un gris. Bah, faut qu'on crafte celui-là. Non, c'est celui que t'as pour l'anti-aérien, non? Non, celui que j'ai, c'est pour les véhicules. Ça te le dit que c'est un anti-aérien? C'est infrarouge pour suivre des cibles, pénétrer le blindage du véhicule. En fait, c'est hélico et tank. En fait. Oui, c'est tout. Ah non, l'autre, il est et pas... Et l'autre, c'est marqué un lanceur anti-aérien portable. Ouais, mais je pense que le Suicta il fait aussi entière. Hein. Ah, hein. Il y a marqué véhicule, tu vois. L'autre il y a marqué entière rien. Tu vois. Ouais, je sais pas. Il y a une différence, je me dis que c'est des casse-couilles. Et le premier lance-roquette, il y a marqué. Dégâts efficaces au véhicule. Sauf que la fusée HE c'est marqué particulièrement efficace contre l'infanterie. Ça n'a aucune logique. C'est bien de vouloir chercher une logique là où il n'y en a pas, Valentin. Ah. Moi je dis. Que... Non, mais idée, non, c'est bon, j'ai une idée. Tu prendras le deuxième tank dans tes poches. Et s'il y a un dirigeable, tu le défonceras à la munition moyenne. Ah oui, tu veux dire le... Ouais, bah l'anti-aérien. Du filet, là, le filet de fiche. Ouais, fishing net. Il remplit de munitions. Ah, je crois qu'il l'est déjà, rempli de munitions. Je sais pas. Tu mets dans tes poches. Et s'il y a un dirigeable, tu le sortiras. C'est du médium AP que ça prend. Oui. Ouais, il est sans doute déjà rempli, il y a des chances. Pose-le pour voir.
Je dirais qu'il est tout petit. Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Il n'y a pas de balle. Elle va aller chercher dans la, ouais, dans la tourelle. Non, j'en ai pris 400 dans le. Non, c'est pas assez. Remplis-le. Est-ce que tu comprends pas? Non, remplis-le. Tu peux en mettre 500. Enfin, 5 stacks. Tu pourras toujours garder 5 stacks sur toi aussi. Dans le doute. Toujours plus. C'est bon, il a ses 5 stacks de ses 2000 balles. L'essence. Hop. T'avais pas craft l'antisol air hein. Ouais, probable. Ok. Ça prend du soin, du bon soin. Après, on pourra prendre un lit pour Eugène aussi. Du soin. On fera quelques structures. C'est où le soin? Voilà. Dans soin. Mmh. Small medikit, on va prendre 20. Ouais, je suis ready, je peux prendre l'hélico. Yes. Ouais, il me faudra d'autres balles après la vague. D'autres balles de quoi? De batteuse. De snipe, quoi. Ouais, il y en a 300... pas dans le... Non, il y en a plus. Et dans le truc de crafting. Ouais, j'en ai 350, hein. Si j'utilise 150, ça va faire qu'il en restera 200. Hein. Attends. Le temps. Deux tungstènes, un cuivre. Elles se font où les ogives pour le gros? Elles se craftent dans le tout des véhicules. Ah non, c'est des petites. Ah. Des petites balles que t'as mis, pas des grosses ogives.
J'en ai craft un deuxième. Ah, il est où? Ok. T'as vraiment fait le tour du bâtiment par l'autre côté. Ah bah écoute. Bon, je suis pas une équipe qui gagne. Mais c'est pas ça. Comment ça c'est pas ça? Comment on tank utilise? Enfin je pense pas. Moi ou... On l'air rentre dedans et dis-moi. Je t'ai demandé s'il y avait trois obus. Mais je t'ai dit ce qu'il utilisait. Je lui ai dit plusieurs fois ce qu'il... Je peux les mettre si dedans, c'est... donc il peut les utiliser si je peux les mettre dedans. Ah bon? Bah je sais pas. Mais on va pas réussir à se comprendre ou c'est pas ce qu'on... Non. Comment on fait déjà pour changer de... Alt. Ah c'est ça. Ah oui ça marche. Dire, depuis le début t'as pas appuyé sur Alt pour me dire les trois trucs. Non. Voilà, merci putain. De c'est rien. Que tu comprenais pas. Donc il peut utiliser les trois. Voilà. C'est quoi la différence entre Tungsten et APMO? Elles sont plus puissantes. Les dernières, c'est les Tungsten. D'accord. J'utiliserai mais d'abord les basiques. Mais je pense que... Quoi? Donc c'est entre quoi et quoi que tu poses la question? Les Tungsten et les normales. La même gueule, mais certaines en Tungsten. Et j'ai aussi des gros obus... Entre les tungstènes et les normales, oui, les dégâts. Et entre les larges HE AMO. Et. Et l'autre, c'est large AP AMO. Vitesse de projectile élevé et forte pénétration. Donc en fait, les grosses munitions font de l'AOE, les obus AP font de la pénétration. Donc c'est un tir de sniper, si tu veux. D'accord. Mais moi, je t'ai craft principalement des balles de sniper, on va dire. Mmh. Donc, le but, c'est de détruire des cibles tanky. Donc, une forte pénétration, je me dis que c'est OK. Là-haut, on a vu que c'est, on sait que c'est de la merde dans le jeu. Donc, j'ai pas envie de me faire chier à faire des grosses AOE qui vont juste toucher un arbre et qui vont rien faire. Bon, bah, ready, hein. Renote. Ouais, je change de disque. Ouais. T'aurais pu dire Player One, je sais pas. Non. Activer des fonds, ils sont déjà tués. Le nombre de commandos au secours. J'ai 48 de vie. Ok, bon, bah dodo lit. Je préfère les commandos plutôt que les grenadiers. Hein. Hmm? Je peux tirer aussi. Bah pareil, hein, début de vague, 4 distances. Hein. Hmm. Oh, ça doit être fait exprès. Bah les gants. On y va le Insane. Ça va et vous? Ça casse des culs? Ouais, on fait une vague à la maison et après on va aller tout tâter de la base. Un de la grosse base là? C'est ça. Invincible, ce putain de piaf.
Aïe. Je les aime pas. Hein. Ah. Oh. On est invisible. Il y a un sauteur qui a failli t'atterrir dessus. Ok, c'est mon pote. Leur voilà ton pote. Il aime se faire sauter dessus, le coquin. Oui. Il est rigolo le sauteur. Allez, je vais te pomper mon gars. Oh. Entre bros, ça se fait. Ouais, je crois qu'on se regarde pas dans les yeux, c'est bon. Dis donc, c'est tout rouge là, faut pas que ça pète ici. Hein. Je vais m'écarter. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Merde! Un mob qui est passé, tu l'as pas vu? Non. Merde. Ah, c'est toi qui es censé surveiller nos arrières. Ah ouais, mais comme c'était zéro passé à la game d'avant, j'ai moins été attentif. Ouais, ben, il suffit d'un sauteur, il suffit d'un grimpeur. Ah, et puis comme j'ai pas le son. Ah bah, t'entendras rien. Bah si, le piège qui fait cling. Hein? Le piège qui se referme. Tu l'entends? Oh, ah, peut-être pas de si loin, mais... Je sais pas, ça fait un million d'années que j'ai plus le son des tiens. Parce que c'est trop chiant. Bah, tu peux les remettre, tu sais. Non, c'est trop chiant. Bah, y'a rien, quoi. Je vais juste réparer quelques structures et on lance direct. C'est moi ou il y a eu Brussus P. Jusqu'à grincer, c'est tout. Ouais. Qui m'étouffe aussi.
Oh la vache. Ouf. T'as des problèmes en ce moment, non? Ah les voix, enfin, le cuir ça sent pas bon. Hein. Et faut arrêter de manger des patates. Hein. Je mange pas de patates en plus en ce moment. Ah bon? Justement, c'est peut-être ça le problème. Hein. Mon corps était plus habitué à digérer autre chose que ces patates. Ça me rappelle le phénomène qui touche parfois les gens qui mangeaient, faisaient manger que gras tout le temps. Qui d'un seul coup, quand ils se remettent à manger bien, bah, du coup, ils digèrent pas tout ce qui est légumes. Parce que le corps est pas habitué. Les premières fois, ils ont mal au bide. Et après, le corps leur dit merci, mais, mais les premières fois, non. Ah, c'est pour ça, c'est que je mange trop de légumes en ce moment. Ça va être ça. Ouais, non. Je pense pas. Demain, tu vas nous dire, j'ai acheté 300 pizzas. Bon, c'est réparé. Hop, hop. Tactique, tactouk, tac. La tactique, tactouk. Tactique, tactique, tactouk. Tari, tari, tatou. Ti, tari, tati, tata, 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 Oh, bah, hier, à cette heure-là, c'est fou. Je dors plus cette nuit. C'est des vagues, c'est passionnant. On s'emmerde. Tire les pimpons sur la machine, tire les pimpons. Nous sommes prêts à relancer. Tu es prêt à relancer. Ah ouais, tu te vides. Oh. J'avais de la poudre à canon sur moi. Et l'établi qui était plein. Hop là, voilà. Et allez, pam, 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 pam. Oh. Oh, j'aurais vraiment dû me faire un café avant de dormir. Avant de dormir, avant de m'endormir, justement. Ah non, pas eux. Allez, les commandos. Je peux commencer par les autres parce que en fait je peux pas tirer. Ah. Les commandos, je peux t'aider à le tuer une fois que je vois.